Connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. On va faire le tarot. Aujourd'hui, là, je fais le tarot pour la sauce jaune. Connectez-vous, connectez-vous. On fait le tarot avec la sauce jaune. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, bonsoir à tous, bienvenue sur Direct avec vous. Ouais, merci beaucoup Olivier Tété, merci ma personne. Tu vois, je suis là, hein. Je viens juste d'arriver, il fallait chercher mon mortier. Il y a une amie qui avait pris là, oh, ça m'énerve même souvent. Voilà, donc on va faire le tarot aujourd'hui. D'habitude, je prie dans la marine, mais aujourd'hui là, je vais vraiment faire à la tradition. Ah, notre mortier qui est bien propre, donc je vais vous montrer comment je fais. On va faire tout ça ensemble. Je viens de mettre le tarot au feu. Je vous montre. Bonsoir déjà, bonsoir, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vous ai fait, j'ai mis le direct pour vous montrer qu'aujourd'hui, je fais le tarot avec la sauce jaune. Voilà. Donc là, je vais commencer là. J'ai déjà mis mon tarot au feu. Le tarot ici, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai pris un sujet. Parce que nous ici, on trouve le tarot, mais quand tu prends le tarot pour éplucher toi-même, tu as moins de chances de le trouver en bonne qualité. Donc moi, je préfère dépenser, ça coûte plus cher, mais au moins tu as la chance que tout est bon. Voilà, donc donne-moi une minute. Voilà. Oui, je suis là. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Olivier Tété. Bonsoir. Donc, bip tout le quartier.
On va commencer. Moi, je ne vais pas attendre que les gens viennent. Hein. Ils viendront voir après parce que, voilà, il est à 18h. Comme aujourd'hui, c'est férié, mon chéri a travaillé. Il va bientôt rentrer. Donc, je vais commencer et vite faire. Donc, est-ce que le vin de la fini? Oh, ça fini. Donc, je vais commencer. Et la blague du tir. Voilà. Donc, likez la vidéo. Activez la cloche de notification pour plus de direct. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment moi je fais. Après, je sais que mon maman, il ne faisait pas comme ça. Donc, moi, pour, que ma, pour commencer d'avoir ma viande, je vais faire sauter ma viande dans mon tarot. Quand je vais vous expliquer, j'aime pas la peau dans le tarot. Moi, la peau, je le mets plutôt dans le héros. Donc, ce que je fais, à la place de la peau, je mets les tripes. Les tripes, c'est ce qu'on appelait au pays, la serviette du bœuf. Voilà. Là, je vais mettre ma viande au feu. Voilà, donc je suis avec vous, connectez-vous, on va avancer. On va faire vraiment vite fait, vite fait, vite fait. Donc, pour mon tarot, je vous montre mes condiments. Les condiments sont venus du pays, hein. Si vous me demandez là de vous expliquer, je suis incapable. Parce que c'est venu déjà composé. Donc, ici, on a le cobapot. C'est le poisson qu'on appelle la raie. Voilà, c'est le vrai poisson du tarot. Ici, j'ai la sauce de canoua. J'ai les condiments déjà bien arrangés. Voilà. Ici, c'est les tripes dont je vous ai parlé. Et là, on a la viande de bœuf. Donc, voilà, on va commencer. On va commencer vite fait sans attendre. Moi, j'ai grillé d'abord ma viande dans l'huile de tournesol. Parce que n'est pas trop quand le tarot dort. La l'huile de tournesol. Voilà. C'est la bonne huile. Voilà. On va griller bien notre viande. Merci, merci Olivier de Bipé, tout le monde ici. C'est la cuisine de l'heure. Je vous montre des belles recettes pour ceux qui veulent. Et ceux qui ne veulent pas, ils tracent leur route. Et comme je vous ai dit, en même temps, j'ai aussi des recettes de prières. Des prières qui peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Vous avez un mari qui vous délaisse, qui ne vous apporte plus de l'affection dont vous avez besoin. Parce que nous, les femmes, c'est le problème que nous avons. Vous venez par ici. Vous avez un enfant à la maison, vous parlez, il n'écoute pas, qui envoie de la délinquance, l'adolescence est difficile, vous savez comment certains enfants sont. Vous venez ici. Excusez-moi, je suis allée tousser à la fenêtre pour que ça parte là-bas. Donc, voilà, au fond de ma viande, je ne grille pas beaucoup, hein, juste un peu d'oignon, ça c'est pour parfumer ma viande. Hein. Je sais que les gens m'ont trouvé ça bizarre. Ma mère ne mettait pas, mais moi j'en mets un peu. Ça peut parfumer un peu ma viande. Voilà. Donc.
Donc, je mettais ma viande. Ça, c'est la viande de bœuf. J'ai pris le, la masse pour c'est la partie que j'aime le plus. C'est la partie que j'aime le plus. C'est la base de côté. Je vais d'abord bien griller ma viande parce que le, en ce qui concerne le tripes, c'est déjà préparé. Je les ai blanchis avant. Voilà, je les ai blanchis avant. Merci Olivier, merci ma personne. Donc, je vais bien griller ma viande. On ne met pas le sel tout de suite quand on met la viande là le feu comme ça. On laisse un peu la viande brunir. Parce que ma mère m'avait dit quand tu mets le sel directement, ça sèche ta viande. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc je vais bien remuer. Viens ici avec moi le poivre de Kenya. Poivre blanc, noir. Le poivre blanc. Vous savez, le poivre, il ne faut pas hésiter. Hein? On le met maintenant dans le tarot. Ok. Bonsoir, bonsoir Patricia. Ça, c'est le poivre noir. Voilà. Il ne faut pas hésiter. C'est l'ail semoulé. Voilà. Franchement, déjà, je commence comme ça. C'est d'abord pour parfumer mon truc. Voilà. Voilà. Sans oublier notre recette phare, c'est le cuivre. Moi, je ne mets pas beaucoup le cuivre. Hein. Je mets juste un peu. C'est pour sucrer un peu la viande. Je vais garder le reste pour tout à l'heure, parce que j'en aurai besoin. Alors, on va remuer. Et après, on va mettre le sel. Je ne sais pas si. Je mets un peu le sel. Voilà. Voilà. On va remuer. Je vais mettre un peu d'eau pour que ma viande ne brûle pas. Voilà. Maintenant, je vais couvrir. Vous voyez, ma viande est en train de cuire. Voilà, notre viande va cuire. À côté, il y a notre tarot là. Merci Sam Van. Sam Van Nier. Aïe, vous avez le choix. Pensez aussi à nous, non? Comment on prononce tout ça? Il y a le tarot qui est en train de cuire là devant. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, c'est férié. J'ai dit, je vais vous faire le tarot. Voilà. Olivier, je vais épingler ton message. Voilà. Donc, aujourd'hui, au menu, je fais le tarot. Il est avec la sauce jaune. Il y a plein d'obstacles. Hein. Vous allez voir, il y a plein d'obstacles là-dedans. J'ai même le cobapote qui est venu tout droit du pays. Voilà. J'ai le cobapote qui est venu tout droit du pays. J'ai les tripes que j'ai achetées ici. J'ai la viande de bœuf. Tout ça, j'ai trouvé ici. Le tarot, je vous ai expliqué, j'ai pris chez le magasin asiatique, déjà épluché et congelé. Parce que nous ici, on va souvent chez Grand Frère, même chez les Asiatiques, là, on prend le tarot qui n'est pas épluché, que nous, on veut essayer d'éplucher, mais tu as 80% de chance, pardon, qu'il y a des pourris dedans. Et moi, ça m'a découragée. Avant, j'achetais moi-même, j'aimais éplucher avant de le faire. Mais à chaque fois, je perdais. Parce que j'avais pas la même quantité de ce que j'ai acheté. Je perdais à chaque fois. Ah, ma copine, je sais. Eh, hey, bienvenue, Lorette. Viens, viens. Viens manger, viens manger. Je viens juste de commencer. Donc, j'ai mis le tarot au feu. Je vais baisser un peu le feu parce que le feu est un peu trop fort. Je mets à 7. Donc, je disais, donc, on avait 80% de chance de trouver la même chose qu'on avait pris au magasin. Résultat, ça coûte cher, mais au moins, j'ai les chances de les trouver vraiment en bon état. Donc voilà. Notre tarot est là. C'est en train de
de bouillie. Vous voyez, le taro, il est en train de bouillir. Voilà. Et la viande est là. Ça, voilà. Ça prend son temps. On a notre kombapot là. Les condiments sont déjà bien arrangés là. Hein, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est le kanwa. Le kanwa et les tripes sont là. Donc, j'ai oublié quelque chose. Le piment. Je vais lancer d'abord un piment parce que normalement, il me faut au moins deux ou trois piments. Comme ça, chacun a son... Mais pour la viande, je mets d'abord un piment qui va s'écraser dans tout ça. Et après, voilà. Donc, je vais chercher le... Voilà. Je vais chercher le piment. Voilà. Allez, voilà. Donc, on a notre piment là. Je vais d'abord mettre un piment dans la viande. Au cas où, même si ça s'écrase, c'est pas trop grave. Et le reste de piment, on va le garder pour tout à l'heure. Parce qu'on les veut en morceaux. Si quelqu'un n'a pas envie de manger, donc voilà. On passe quand même à remuer notre viande. On va laisser bien notre viande... rougir un petit peu. Voilà. Voilà. Donc. On a bien lavé notre pilon là. On va piler tout ça ensemble. Voilà. Connectez-vous, bipez les autres. Dites ici chez Véronique. On est en train de faire le tarot pilé. Dites que chez Lady, on cuisine. Donc, je vous dis alors que Lady, c'est la même personne, Véronique Max, et c'est la même personne, Chancy, la belle Marthe. C'est toujours moi. J'ai deux comptes Facebook et une page. En fait, j'avais une autre page, mais je n'ai pas trouvé le mot de passe. J'arrive plus à entrer. C'était... Cuisine en live avec Véro. Là-bas, j'avais beaucoup de séances de prière que je faisais. Cuisine en live avec Véro. Voilà. Et là, j'arrive plus à ouvrir cette page. C'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle page. Annick Vouri, ma recette, ça vient du Cameroun. C'est des condiments qui sont très, 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 très compliqués. C'est comme les condiments du tarot. Hein? D'une cuillère. C'est composé de beaucoup de choses. Que pour trouver ça ici, c'est pas facile. Résultat, on écrase ça au Cameroun, on me l'envoie en poudre. Je l'ai ici. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, non, c'est pas ça ici. Qu'est-ce que je raconte? Ça a l'aspect, vous voyez? On m'a envoyé ça du pays. C'est un composant de beaucoup de condiments dont moi-même j'ignore. Je ne pourrais pas vous expliquer. On a écrasé tout ça à sec et on m'a envoyé du Cameroun. Donc, je prends un peu comme ça, je mets dans de l'eau tiède, ça se dilue et je tourne avec le cube. Donc, voilà ça. Je ne saurais vous expliquer, mes sœurs. Le tarot, c'est un truc qui est très, très... Bonsoir, Sam. Je viens d'appeler ton nom. C'est pour ça que je dis, pensez un peu au blogueur. Sam Van Nied. Je t'ai appelé, maman. Je t'ai salué, non? Voilà. Donc, le kombapot. Qu'est-ce qu'il a dit, Olivier Tété, que le kombapot, c'est la reine fumée. Voilà. Tu connais. Hey, Olivier, toi là, tu dois être un autre cas. Oui, le kombapot, c'est la reine fumée. Par contre, la viande de bœuf, c'est pas le bourguignon. Moi, je prends la partie de la basse côte. Parce que le bourguignon, c'est trop dur à cuire. Moi, je n'ai pas envie de passer la nuit ici. Donc, voilà. Le reste, là, c'est de la... Excusez-moi. Je range mon condiment. Donc, moi, je prends la basse côte chez les maghrébins, là. Eux, c'est vraiment vite fait, quoi.
Donc voilà, les condiments me viennent tout droit du pays. Là, j'ai mon mortier. C'est ici que tout va se jouer. Avec le pilon, on va piler. Vous voyez? La tradition. La dernière fois, j'ai pilé dans la mamie parce que je vous ai dit, une amie me l'avait emprunté. Bon, je ne l'avais pas entre les mains. Là-dedans, elle a pilé le clou de girofle. J'ai lavé, mais j'espère. Bon. En tout cas, ce n'est pas grave. Le clou de girofle fait aussi partie des condiments du daron. On en met quand même un peu. Donc, voilà. On va regarder notre viande. Je vous ai dit, la viande ne reste pas trop longtemps au feu parce que la partie que j'ai prise, c'est de la basse côte de bœuf. Voilà. Donc, ici, de ce pas, je vais rajouter mes tripes. Vous voyez, les tripes, je vous rappelle que je les ai blanchies avant. Les tripes sont déjà cuites parce que les tripes sont très dures à cuire. Donc, elles sont déjà cuites à l'avance. Là, je mets là-dedans pour que ça continue. Regardez, vous voyez le piment là. Aïe, 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 ça y est. Je vais enlever parce que j'ai peur que ça me contamine. Bon, c'est vrai que mes enfants, ils n'en mangent pas. Mes enfants, eux, ils mangent plus européen. Donc, voilà notre... Voilà, je vais mettre juste un petit peu d'eau, pas beaucoup. Juste un peu, hein, parce que j'ai vraiment pas besoin. Parce que c'est avec cette sauce-là que je vais faire mon taro, vous voyez. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup. Le seul germe, c'est le condiment phare du taro. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le sel germe, c'est... Je vais sortir ça, je vais vous montrer. J'ai tout ici, hein. J'ai tout ici. Le sel germe, pour ceux qui ne connaissent pas le sel germe, je vais vous montrer. Tout ça là me vient du pays. C'est ça le sel germe. Vous voyez? C'est ça. Tout ça, ça vient du Cameroun. J'ai rien acheté ici. Mais la potasse, voilà. Le nom a sonné dans mon oreille. La potasse, ça s'appelle. Parce que si vous dites le sel germe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ils appellent ça ici la potasse. C'est ça. Voilà. Ah, là, là, là. Voilà. La potasse. Ouais. Parce que... Oui, le taro, c'est un féculent qui ressemble au manioc. Au manioc, à l'igname, un peu de tout. Voilà, c'est ça. Oui, hey, on va piler aujourd'hui. Sam Van Niet. Ça, c'est un nom allemand, ça. Si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Donc voilà, le sel germe, vous voyez, je l'ai fait dissoudre. J'ai d'abord mis dans l'eau pour le dissoudre. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel germe. Hein? Faut pas qu'un peu. Voilà, donc notre viande est... Coucou, Anès Tamanda. Comment tu vas? Installe-toi, mets les cœurs, bide les autres, on va cuisiner. Voilà. Oui, la recette, c'est une spécialité de l'ouest du Cameroun. N'oublie pas aussi les Bamenda, hein. Le nord, ils sont, les Bamenda là sont même ou même. Eh, Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît même pas le. le nord-ouest. Attends, les Bamenda. Dis-moi un peu, Olivier, t'étais les Bamenda sont d'où? Ah, voilà, j'ai bien dit que c'est un nom Dutch. Voilà, j'ai bien dit. Les Bamenda, c'est le nord-ouest, non? Oui, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, la spécialité, normalement, c'est pour eux. Mais nous, on a pris, on a révisité, on a fait pour nous avec. Donc, voilà. Connectez-vous, ça va chauffer ici tout à l'heure. On va faire le taro pilé. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais même vous dire? Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des prières pour les aider, comme je vous expliquais, contactez-moi à Inbox. J'ai filmé les pages et je vous montre. On a trouvé mon livre de prière chez Amazon, à la FNAC, France Loisirs. Voilà. Donc, vous le trouvez un peu partout. Et ceux qui sont au Cameroun, regardez à la cathédrale. Moi, mes belles soeurs qui sont à Yaoundé, on dit qu'ils ont trouvé à la cathédrale. À Douala, vous pouvez le trouver à la cathédrale Saint-Paul. C'est Saint-Paul. Oui. Anala Abonanjo. Les gars qui vendent dehors, là, vous les demandez les 33 miracles. Voilà. Franchement, ce livre peut vous sortir de n'importe quelle situation. Et sachez que Dieu ne peut pas vous donner un problème sans avoir la solution. Quand il vous donne un problème, il donne toujours la force avec laquelle vous allez supporter ce problème.
Donc, rien n'arrive au hasard dans notre vie. Voilà. N'oubliez pas de prendre le stylo. Olivier, toi, tu es grave. Hein? Voilà, donc, on continue avec notre viande. Voilà. Le tarot, c'est un truc qui n'est pas très, très dur à réaliser. Mais il suffit d'avoir les condiments. Il suffit d'avoir les condiments pour... voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Et qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Donc, c'est comme ça. On va continuer. Le tarot est en train de cuire en même temps. Là, je vous ai dit, ce livre aide beaucoup. Moi, je vous dis, même si l'enfant ne vous écoute pas, qu'il a appris sa voix, une autre voix que vous ne comprenez pas, il est dehors tout le temps, il conduit les voitures, il fume, il fait n'importe quoi. Quand il dit fumer, vous comprenez bien ce que je vais dire. Donc, vous pouvez le ramener. Vous savez que ce n'est pas seulement de taper ou de parler. Il y a des manières. Voilà. Les 33 miracles dans Amazon. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui, oui. Je vais vous montrer la couverture du livre. Je le montre ici tout le temps. Je vais chercher dans mon sac. En attendant, je vous laisse un peu voir. Regardez la marmite. Je viens. Voilà. Somme dernière. Voici ça. Là, c'est à l'envers. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Tac, tac, mince. C'est pas possible. J'ai des problèmes avec ce truc. Voilà. Là, il est à l'endroit. Vous lisez? C'est de Jules Spielberg. Le nom de l'auteur. Vous lisez ou pas? Attendez, je vais enlever le flash parce que j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que vous lisez? Vous avez vu? Voilà, c'est ça. Les 33 miracles. Vous le trouvez à Amazon, France Loisie, ou alors à la FNAC. Voilà. C'est des endroits où vous pouvez trouver ce livre. Il est très, très bon, ce livre. J'ai parcouru les pages l'autre jour. L'autre jour, j'avais fait un direct exprès pour ça. Je vous ai montré, il y a tout. Même quand tu es en colère, vous savez que la colère ne résout rien. En colère, on peut dire n'importe quoi. On peut... Quand tu es en colère, bon, ne me manque pas de respect. Quand tu es en colère, il y a des paroles qui sortent. Ne viens pas ici, hein. Moi, je n'ai pas le front de Noël que je me vois. Regarde, j'ai les cheveux, hein, regarde. Parce que j'ai natté. Il dit que mon front est comme pour Noël que moi. Regarde, j'ai les cheveux. J'ai les tresses sur la tête. Regarde, tu vois? Pardon, oh, mon père. C'est ma mère, voilà. Avec ça. Qu'est-ce que je disais? Vous venez me perturber. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent lire les commentaires, mais bon. Dedans la colère, comme je vous dis, ressaisissez-vous. Prenez ce livre, faites la neuvaine dessus. Ça va vous calmer. En plus, tu as le nom de mon beau-père, Souman. Marie-Michel et Souman. Je ne sais pas d'où tu sors. Tu as le nom du père de mon mari. Mambo, il y a quelqu'un ici avec le nom de Marie-Michel et Souman, le nom de papa? Il t'a dit, il a même ton nom, voilà, il s'appelle Patrice. Je ne sais pas, peut-être c'est même ta famille. Hein. Elle est venue ici là pour me provoquer. Elle me dit que j'ai le front comme le front de Noël Kengwe. Ouais, vous voyez, moi, je ne connais pas me fâcher. Je suis toujours moi dans la bonne humeur. Il faut vraiment faire plus ou m'énerver. Bon, voilà. Ici, je cuisine, c'est la bonne humeur, on s'amuse. Je ne vais pas mettre la musique parce que j'ai peur que ça dérange mon direct. Voilà. Donc, on va continuer à regarder notre mamite. Merci, hein. Si c'est un compliment en disant que mon frère... Non, que c'est une star, non? Merci. Voilà. Donc, je regarde ma mamite au feu. On va remuer. On continue à remuer. J'espère que la viande là. Ah, vous avez dit que le machin de bœuf là, ça ne dure pas trop au feu.
Et fait, il y a, j'avais une grande soeur, moi, quand on lui donne à l'eau, pour cuisiner, ma mia, elle entre à la cuisine avec, on va donner un exemple, 10 morceaux de viande, elle ressortait avec 3. Elle a tout pour goûter, elle prend un morceau, elle a goûté, elle se retrouve à manger toute la viande dans la mamie. Je ne peux pas faire ça, j'arrive pas, moi, qu'elle va goûter, elle prend juste un peu. Ouais, la viande est encore dure. Je vais laisser la viande cuire un peu plus. Voilà, là. Ici, notre tarot est en train de. Moi, c'est le piment, là. Je veux dire qu'elle est en dehors de ça. Ma collègue dit que ma grande sœur, elle est tout à l'heure, elle s'habille. Quand elle est de là, mon père, chaque fois, il se rendait compte que quand c'est moi qui peux parler, quand c'est elle qui peut parler, il y avait une différence. C'est-à-dire, elle entre dans la cuisine. On ne peut pas. Même le poisson, hein, elle prend mon sœur, elle dit, il veut goûter ses cuits. Elle se retrouve qu'elle a marre. Ouais! Mon père, je lui ai demandé que. Pourquoi quand c'est ta sœur qui ne peut pas la nourrir, il y a plus de viande que toi? Elle dit à mon père que tu ne connais pas. C'est parce que tu n'es pas là quand elle ne peut pas, tu es au travail. Elle prend les morceaux de viande à la mamie, elle mange. Elle dit que c'est pour goûter. Elle dit que si tu la guettes seulement, tu vois comment elle mange. Elle dit que ma soeur, c'est. Donc la viande est encore un peu dure, on va laisser encore un peu cuire. Ça ne nous coûte rien. En attendant, on va regarder. Oui. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne huile. Parce que l'autre jour, j'ai fait le tarot ici. Je vous dis pas, j'étais déçu un petit peu. Cette fois-ci, j'ai pris l'huile du Ghana. Et là, on va finir celui. Non, celui-ci, je n'apprends pas. Je n'apprends pas. J'ai peur que l'autre. Voilà. Et on prend celui-là. Lorraine, on pile le tarot aujourd'hui. On pile le tarot. Le corapote, je vais mettre vers la fin. Parce que vous savez que le corapote, ce n'est pas dur. Quand il est à tremper comme ça, c'était au congélateur. Vous voyez? C'est ça le corapote. C'est le poisson qu'on appelle l'arrêt. Ouais. Je vais attendre que ça me dirait que vous venez m'appeler. Une minute, pardon. Vous savez, maintenant, ils ont un système ici. Ouverture des portes sur le téléphone. Voilà. Ma viande. On va manger notre tarot après. Ça va être magie. On est tellement à manger le tarot. Moi, ma mère, j'ai appris à faire le tarot dans la mamie, comme ça. Wouh! Mais ça demande beaucoup de travail. Donc moi, ce que je fais dans le Moulinex. Je fais dans le Moulinex, c'est plus facile pour moi. Alors quand je mélange déjà l'huile avec l'eau du Kangwa, c'est le Moulinex qui fait le reste. C'est plus rapide. Parce que ma mère, elle faisait comme ça, elle prenait entre deux casseroles. Je peux le faire, hein? Moi, j'arrivais, j'ai trouvé la facilité. Je ne sais pas qui a sonné à la porte là. Mais c'est la personne qui va entrer. Une minute, pardon. Excusez-moi, je suis là. Je ne sais pas qui a sonné chez moi, tant pis. C'est sûr que c'est comme le qui est chambre. On va sa voiture. Là, voilà. On patiente un peu. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser. Moi, je ne mens pas. Je vais vous répondre bien, soigneusement. Voilà. Alors voilà.
Donc, voilà. On va faire tout ça ensemble. Si vous avez des questions à me poser, moi, je suis là. Bonjour, Pistis. Hey, le Congo, ça a fini là-bas. Je t'ai vu, hein. Bonjour, Pistis. Comment tu vas, ma chérie? Connecte-toi. Bible et Lolomania. On fait le tarot aujourd'hui. C'est un plat, je ne sais pas si tu connais. Mais comme toi, tu es au Gabon, il y a les Camerounais là-bas. Je suis que une Gabonaise qui n'a jamais goûté le tarot, parce que c'est chaud. On fait le tarot, c'est ce qu'on appelle la sauce jaune. Bonjour, Bertrand Sauce. Bertrand a changé de profil, c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. C'est pas le profil que je connais, ça. Crispy, général, dit tout le monde, on fait la cuisine ici. Ici, on prépare, on prépare. Il n'y a pas le Congo ça ici. Ici, c'est la cuisine. J'ai fait le tarot. Je vais vous montrer comment ça se présente dans ma cuisine. Là, il y a le tarot qui est au feu. J'ai expliqué que moi, bonjour ma chérie, bonjour le général. J'ai pris le tarot, j'ai pris un sujet gelé parce que quand moi je prends pour moi-même éplucher, j'ai 100% de chance, j'ai moins de chance, pardon, qu'elle soit toute bonne. Voilà. Et là, il y a ma viande que j'ai déjà mélangé les. J'ai déjà mélangé les tripes dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, là, et après, je vais rajouter le kabakpot dedans, que vous voyez là. Waouh! Ah, tu connais la sauce jaune générale? Voilà. C'est ça. Toi, ça m'étonnerait que toi, tu ne connais pas quoi. Moi, général. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il te faut? Ah! Bertrand dit que c'est. Oh, Bertrand, aujourd'hui, je fais notre spécialité, la sauce jaune. Voilà. Aujourd'hui, connecte-toi. Bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est vraiment notre spécialité. Je sais que c'était plus les bananes étaient plus dans la sauce jaune. Ma fille, elle adore le sucre. C'est plus les bananes qui. C'est Viens chercher. Après, je ne t'en donne plus. Hein. Après, je ne t'en donne plus. Elle me dit si. On va voir. Regardez-moi l'enfant. Elle me dit qu'elle m'a aussi. Elle Tu dois aller moi. Oui. Tiens. Va les chercher. Ouais. Ramasse, ramasse. Tiens. Tiens. Sors, hein. Sors. Je peux te voir ici dans la cuisine. Tu peux m'aider? Là, tu parles de vrai. Je peux te prendre maintenant. Allez. Sors. Voilà. Voilà, donc Bertrand, tu as vu que je fais le tarot aujourd'hui. Tu vois, ici chez moi, ça rigole pas. Moi, je fais à manger. J'ai de mes soeurs qui veulent apprendre. Voilà. J'ai de mes soeurs qui veulent apprendre. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent être chassés de leur mariage, qui ne viennent pas. Moi, je m'en fous. Quand ton mari va te dire, prends-moi la sauce jaune, tu vas commencer à dire, je ne connais pas la sauce jaune. Alors que Véro avait fait ça ici. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, mes condiments viennent tout droit du Cameroun, parce que mon chéri est au Cameroun et moi, il est rentré. Il m'a ramené tous mes condiments du pays. Résultat des courses, je ne saurais vous montrer la composition de mon produit. Donc, comme j'expliquais, Bertrand, arrête. Je cherche trop les problèmes, toi. Ma mère, elle, quand elle faisait le tarot avec la sauce jaune, elle faisait entre deux. Avec les mains encore. Aujourd'hui, j'ai appris la facilité. Donc, moi, je le fais. Bertrand dit que tu dis à le feu sort. Ne viens pas. Hein. Je suis mariée, hein, Bertrand. Je suis mariée, le feu sort. Bertrand, chic, c'est bon, je suis ta soeur. Je vais aller là-bas. Je t'ai à dire ça. Avant que Cameroun là bientôt. Je vais faire la banjoum. Je sais que ma viande. Voilà. Normalement, une bonne femme connaît que ça. Quand tu écris rien qu'au regard. Donc, notre table, vous voyez, notre mortier est déjà bien lavé, propre. Ma copine a pilé le tout dedans. Je sais pas ce que je vais prendre pour piler le bloc dedans en attendant pour bien nettoyer ça. Parce que j'ai peur que ça sente sur mon cerveau. Parce que le coup de jour fait très fort, hein, en odeur. En odeur, le coup de jour fait très fort. Est-ce que je peux piler là? Donc, en attendant de. Attendez, j'ai quelque chose ici. Vais sacrifier un doigt de.
peut sacrifier un doigt de lait. On va rendre comme ça, et on peut cuire pour faire partie, ça, c'est pour faire partie l'odeur du... Voilà. Une minute, je vais faire chauffer ça. Il y a une minute. Comment je vous parle de ma cuisine photo. Ce n'est pas la cuisine de la reine, mais bio! La bio des bio! Voilà! Tu as compris alors, Bertrand. Au moulinex, c'est mieux et c'est plus hygiénique. Tu as bien compris. Voilà. Donc, tu vois, tu comprends bien les choses. Tu es un homme bien, mais tu es en train de gâter tes trucs là dans des conneries à deux balles. Tu vois que ici, là, on parle bien. Avant même, il faut se faire plaisir. Manger la nourriture de chez soi. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'adore manger africain. Si je ne mange pas africain, je ne vais pas mentir. Si tu ne vas pas manger européen, est-ce que c'est quoi? Gratin de pommes de terre, saucisse de Toulouse, quoi? Steak haché, spaghetti bolognaise. Voilà les trucs européens que moi, je mange. Donc, voilà. En dehors de ça, moi, je suis trop dans le... Voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Fini le direct, non, mais non, alors pas ici. Hop, je mets le Congo, ça là. Yeah, les Camerounais, je vous donne les noms. Je vous donne les noms. Je vous donne les noms au Camerounais. Voilà. On va préparer. Voilà. On va pas se mentir. Moi aussi, j'aime bien le Congo, ça. Voilà. Ah, saucisse de campagne. Moi, j'appelle ça saucisse de Toulouse. Parce que c'est le nom qui parle avec Bertrand. C'est le nom qui parle avec saucisse de Toulouse. C'est écrit. Saucisse de Toulouse. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous savez, comme mon ex-mari était de Toulouse, hey, on mange saucisse le matin, on mange saucisse à midi. Ma belle-mère, alors, elle fume, elle, on dit quoi, fumer ou sécher? Elle sèche ça. Du coup, au petit déjeuner, le saucisson. Hey, maman, j'ai vu quelque chose. Elle te dit que les gens ne mangent que ça là-bas. Grave, grave. Eh ouais. Mon taro n'est pas encore cuit. Je vais laisser encore que ça cuit bien. Moi, j'ai envie de prendre un peu pour nettoyer le fond de mon. Donc, là, parce que ma copine a pillé le girofle dedans. Voilà, donc je disais dans ceci, la viande, vous voulez que vous encore annoncez de viande ou pas? Écoutez, je ne vous vois pas connecté, il y a combien de personnes en ligne? Mon Dieu, c'est mon comment comme ça. Ouais, Seigneur, je ne vois pas tous ceux qui sont connectés. Ben, au moins, vous réagissez, je vois que vous écrivez, donc ça me plaît déjà. Je vois pas le nombre de personnes en ligne. Je crois qu'il y a eu... Réagissez, je suis avec vous. En cuisine. Je mets la poêle au feu. Je ne demande même pas quand ma plaque. Vous me voyez ou pas? Regardez là où je mets là. Merci Bertrand. Il faut partager. Il faut partager mon frère. Je suis ta soeur, non? Je mets la poêle au feu comme ça.
Je vais faire chauffer un peu mon huile. C'est là où la magie va commencer. La magie va opérer. J'ai pris un doigt de banane que j'avais fait cuire. Parce que ma copine a filé là. Elle a filé tout le temps. Pour nettoyer. Hein. Dans notre tarot, on est sans que pas. Voilà. Voilà. Ah, et ça sent. Hein. Et je jette. Ah, c'est pour nettoyer le fond de mon entier parce que. Voilà. Maintenant, si vous voyez bien l'intérieur de ma mamie, je vous demandais combien on est. Personne n'a répondu. Donc, c'est comme si vous n'êtes même plus avec moi. Je vais mettre l'huile comme ça. Oui, mon huile là. Aïe, aïe, aïe. Même mon huile comme ça. Ils sont là. André, c'est ouvert. Ah. Voilà. Donc, j'ai mis mon huile à chauffer. C'est ici que la magie va s'opérer. Nous avons ici la notre kawa, je vais mettre un peu d'eau chaude parce qu'il faut que l'eau soit tiède ou bien je serai. N'entre pas ici, je suis en direct. Hein? Mm-hmm. Tu as vu non? Voilà. Bon. Que ton mari n'a pas sorti ici là pour la femme sur le direct. Là, il faut de l'eau tiède. Ah, ah là. Donc, voilà notre huile que j'ai. Mis à chauffer. Il ne faut pas que l'huile chauffe beaucoup. Hein. C'est juste. Voilà. Là, on a notre eau. C'est de l'eau tiède avec le sel germe que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'avais laissé tremper depuis. Voilà. Donc, on va. Ah, mais notre. Je vais le faire en deux fois parce qu'une fois, ça serait trop. Ah ouais, voilà, là, moi, c'est bien. Merci, Annick. Dans notre huile, on va laisser chauffer un peu, pas beaucoup. Hein. L'eau est finie dans mon... L'eau est finie dans mon tarot, là, l'eau, c'est pas trop. Je rajoute un peu d'eau, parce que mon tarot, là... Faut pas que tu me fasses ça derrière, pas cuit. Je vais pas te laisser comme ça derrière. Comme c'est les gros morceaux là, c'est pas bien cuit. C'est pas bien cuit, donc je laisse encore un peu. Je le laisse encore un peu au feu. Voilà. On va laisser notre huile. Tic tac tic. Les vraies choses vont commencer. Ah, ça va commencer. Donc, ça va commencer. Je vous ai dit, quand vous mettez le sel germe, il faut que votre eau soit tiède. Voilà. C'est de l'eau tiède, pas bouillant, moi. Ah, je vous montre ce que je connais. Hein. Donc, voilà. Notre huile, je crois que je vais aussi. Vous voyez, mon frère est déjà arrivé, il vient manger le tarot. C'est pas lui qui va rester derrière. Voilà. Donc l'huile, là, je crois que ça, c'est bon, maintenant. Il faut faire attention. Hein. En tout cas, vous faites. Dès que vous versez, parce que le contact de l'huile et le kawa ici, ça crée un volcan, hein, je vous jure. Ça crée un volcan, pas possible. Donc, je vous le dis simplement. Voilà, je mets comme ça. Et on va tourner ça au moulinex. J'ai mélangé mon eau de.
l'eau du sel germe avec. Il y a du bruit, hein? Ah. Vous dites que dans ma mie de viande là, je vais rajouter mon carapote. Vous voyez? Voilà. Parce que ça, c'est les vraies choses qui commencent. Voilà. Vous voyez à quoi ressemble ma sauce jaune. Je vais vous montrer. Vous voyez? Regardez. Wow, je n'ai jamais vu ça. Venez oh. Mon Dieu, hey, Bertrand, ça donne pas envie là. Allez, je fais le dernier tour. Ouais, j'ai dit que lui il est bon. La dernière fois que j'ai fait, c'était pas jaune, hein. Franchement, je dois apprendre à visualiser bien mon huile quand je le. Je dois apprendre vraiment. Je vous jure. Il y a peut-être pas comme ça. Dans hein? Le tout, je mets mes condiments. Je vais mettre du poil parce que j'ai peur que ça me. Je mets d'abord un peu. Parce que c'est les condiments qui font souvent que ce n'est pas souvent trop jaune. Hein? Je ne sais pas qu'après, on vient vous dire que. Allez, je le dois. Allez, je le dois. Allez. Ouais, Facebook. Lâchement venu. Voilà, donc je fais le dernier tour. Ouais. Oui, j'ai fait la sauce jaune dans le moulinet. Oui, ma soeur, j'ai fait dans le moulinex parce que ça fait plus propre. Si je fais dans l'assiette comme nos parents, là, ça va trop salir ma cuisine. Et vous voyez, après, il faut tout nettoyer. Comment on appelle ça? L'huile rouge salit beaucoup. Donc, ne me juge pas, ma. J'ai fait comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, celui des condiments arrive. Je vais ajouter un peu de condiment là, ici aussi. Voilà. Notre sauce jaune. Voyez, notre sauce jaune, elle est prête, la magie. Maman, ne me juge pas, Oman, pardon. Tu sais que si je fais comme mon maman faisait là, ça va tout salir ma cuisine. Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça pour tout nettoyer. Voilà. Voilà notre sauce jaune. Je vais prendre la cuillère pour bien vous montrer. Je vais goûter si le sel suffit ou pas. Mais le reste des condiments là. Ouais, le piment. Ouais, le piment. Oh, j'ai gâté avec le piment. J'ai gâté avec le piment. Ouais, mon poisson mieux. Voilà. Je vous montre ma sauce jaune. Vous voyez? Voilà, regardez. Bien jaune. Eh, hey, Seigneur, j'ai bien réussi le tout. La dernière fois, l'huile n'était pas bonne. Vous voyez? Bien. Hein? Et quand on fait comme ça, il faut arrêter le feu. Eh, hey, maman, et mon feu là, va continuer à tourner. Je ne vais même pas arrêter. Maintenant, on va piler notre tarot. Vous voyez? Je vous ai dit dans le tarot. Attends, j'ai très. Peut-être peut manger le tarot parce que la façon de préparer m'a toujours dégoûté. Et puis, ah,
tu vois, alors, Bertrand, mais parce que c'était, les parents faisaient comme ça, pouf, pouf, avec les mains, on mettait les mains partout. Tu vois, toi, ça t'a dégoûté. Mais moi, j'ai toujours aimé, hein. De toute façon, quand c'est ta mère qui prépare, tu ne vois pas le dégoût, hein. Maintenant, je mets mon petit dernier cube là. Je sais qu'on ne met pas le cube de tarot, mais moi, aimez-moi, Emma. Ne me jugez pas, oh, je le mets. Je sais que c'est le seul qu'on met de tarot. Moi, aimez-moi le cube. Voilà. Notre sauce est prête. Notre sauce est prête, prête, prête jusqu'à demain. Et cette sauce, vous pouvez la conserver au frigo même 3 jours. Elle est toujours bonne. Je n'ai pas fait un bain demain. Ça veut dire quoi, Bertrand, le bain demain? Non, non, je n'ai pas mis les mains dedans. Est-ce que depuis que je fais, est-ce que tu as ma main dedans? Non, non. Moi, j'ai fait au Moulinex. Donc, tu ne verras pas ma main là-dedans, comme ça, non. Donc, voilà. Notre sauce jaune est prête. Maintenant, nous allons passer au. Vous voyez? La dernière fois, il y a une qui m'a dit, pourquoi ta sauce n'est pas jaune? Qu'elle revienne aujourd'hui voir comment ma sauce est bien jaune. C'était à cause de l'huile. Parce qu'il y a le tarot et le coquille. Ouais, ma, pardon, ouais. Laura Péné, ouais, pardon. Ne faites pas ça. Pardon. Vous savez qu'ici, là, je n'autorise pas les insultes. Je suis là, on fait la cuisine et tout. Pardon, maman. Pardon. D'accord? Oui, je sais que tu prends les nouvelles de son chien, c'est bien. Mais pas d'insultes, pardon. Voilà. Dans notre sauce est prête, vous voyez? Je vous dis que je peux goûter la sauce là toute la journée. C'est la magie. Voilà. La sauce jaune est prête. J'étais dit au lieu de venir voir comment on peut faire. Mais nous, voici. Ah, mon frère, tu me cherches en ton direct. Ah, mon frère va te dire que je veux manger la sauce de tarot. Tu viens me chercher. Tu me cherches en ton direct. Non, c'est vrai, pas qu'on te voit. Si on te voit là, mon frère va commencer à me voir. Je ne sais pas quand on te voit. On te voit là, la oui, un autre jour. En fait, si tu veux, tu viens rapidement le tarot. Tu vas aller chez Vestali, je vais te le mentir. Mais pas en direct. Non, je ne vais pas mettre en direct. Voilà. Donc, notre sauce tarot est prête. Je vais le mettre de côté comme ça. Je ne sais pas si le tarot, si le. Le fermier, pour le couvercle de la manette. Je parle là. Voilà. Voilà ça. Maintenant, je regarde mon tarot si c'est cuit. Comment le tarot? C'est que j'ai pris, j'ai préféré prendre un sujet. Parce que tu te rappelles ce qui m'est arrivé chez le grand frère l'autre jour, que j'étais obligée de revenir les insulter comme. Et ma porte sonne. J'espère que vous rattrapez mon direct. Voilà. Bonjour, ma Française Andy, comment tu vas? Eh ouais, le Congo, ça ne te laisse pas. Tu es parti pour le Congo, ça, nous, on a avancé ici. J'avais mis sur mon mur que je faisais le tarot aujourd'hui. Donc, vous pilez, je n'ai pas vu piler ça là-haut. Ou bien, je pile là-haut. Ils vont tous me voir piler ça ici par terre. Ah oui, ma maison n'est pas, ma cuisine n'est pas sale. Donc, il me faut. Avec ça. On ne sort pas comme ça. Tu ne laisses même pas décongeler. Ah ouais. Tu ne laisses pas décongeler, tu le fais comme ça. Tu ne laisses pas le temps que ça décongèle. Prépare le sujet. C'est pour ça que ça a du mal à vivre. Ouais. C'est pour ça que tu as mis la main là-bas. Ça va être encore moi. C'est pour ça que tu dis que lui, rouge, est trop salissant. Moi, j'ai trop. C'est qui, ma? Ça va être. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si c'est cuit. Je crois que c'est cuit. On va commencer à piler. Oui, c'est cuit. Jusqu'à. Je pique ici en haut d'abord pour les monter. C'est ça, des pics. Ah, d'accord. Merci, Lorraine. Merci. Tu prends juste les nouvelles. Merci, maman. On pique notre tarot, hein. Vous voyez? Ouais, maman.
prends la sette quand je vais finir. Parce que c'est seulement des sangs, je n'ai pas assez de vous. Mais... Coucou, ma fille. Comment tu vas, ma mère? Je sais que tu as fait le. Le tarot. Hey, mais regardez, ça c'est la magie. Je pile, c'est pas trop dur, hein. On pile le tarot. Mais mince. Oh, la queue blanche. Oh, ouais, non. Merci. Ah oui, Bertrand, j'ai compris. Non, j'avais peur qu'elle balance les insultes, quoi. Tu sais que toi-même, tu n'es pas tendre, hein. Donc, quand les gens sont... Les gens te voient comme ça, ils savent que toi, même là. Voilà. Ouais, puis mon tarot. Je suis une bonne femme. Personne ne va entrer. Ah, il y a quelqu'un qui va entrer. Je crois que c'est ma fongonfie. Ah non, c'est Zoro, la patronne. Voilà, Zoro, aujourd'hui, c'est ta fille. J'espère qu'elle va pouvoir entrer. Il y a le Ndina. Je te sais bien. Zoro! Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Ça va. Bonsoir tout le monde. Je suis le tarot, maman. Hein? Waouh. Aujourd'hui, c'est maman, le tarot de ça. Dédicace, ta magie. Tu sais que nous, les femmes, les sympathisants de l'Oumania et la Russie, on sait cuisiner. Mm-hmm. Voilà. Il a le tarot. Sinon, c'est comment alors? Non, maman, ça va. La dernière fois, il y avait un problème technique que je n'arrivais pas à te prendre. Oui. Voilà, il y avait un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à te prendre. Waouh! Bon appétit à moi-même déjà parce que j'avais déjà la salive. Bon appétit à moi-même et j'avais à la salive. J'avais la salive. Voilà. Vous voyez comment je trouve le tarot. Je ne veux pas être trop en difficulté. Je fais ça. Ah, ça. Il y a des gens qui parlent de la mariée. Ah, elle a buté quelqu'un. Je travaille comme ça, un peu dans l'eau, pour ne pas avoir trop de difficultés. Un peu dans l'eau. Ouais, comment je fais, non? Quand ça ne colle pas beaucoup. Tu trempes ton plan un peu dans l'eau. Ouais, ma soeur. Le bilan, c'est le tarot, c'est comment? Après, je vais m'arrêter. Tout ça, il va encore répéter. Là, c'est pour le premier coup comme ça. On pile à l'eau pour juste. Ouais, voilà qui finit le tarot. Hein? Tu penses qu'on pile ensemble? Oui. Laisse-moi, quand je ne veux pas qu'on te voie. Mmh. Que je fais ça pour mes followers. Je ne veux pas trop qu'on te voie. Quand mon frère va commencer à me faire la guerre ici. On l'a vu. Mmh. Si tu veux te faire voir, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, là, l'autre jour, il a écrasé sa malade. C'est son frère venu ici, il a failli me tuer. Mmh. Alors que je n'ai pas, on n'a pas vu mon collègue. Voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Non, t'as mis ça. J'ai fait ça comme ça, deux sachets. Mmh. Mmh. Deux sachets comme ça. Welcome. Je vais aller. C'est la magie.
Voilà. Hé hé. La petite femme américaine. C'est un gars de quoi? Mais moi, tu sais que la maman de ma sœur, elle me pile le temps. J'ai eu peur de la femme américaine. Voilà. Maman. Ouais. Et c'est pas, j'espère qu'il m'aura pas des grumeaux, là. Parce que la carte, c'est... Tobi, mon fils, Tobi est là. Tobi, des hommes, là. Mon fils, il a vraiment des hommes, là, c'est ça. Mon fils, Tobi, je pile le tarot. T'as vu ta mère, Véro? Ouais! Ne me sabote pas! Je tape un peu dans l'eau pour que tu ça. Voilà! Manque de respect! Je suis en sueur. Mais oui! Je suis en sueur. Tu sais que ça demande beaucoup d'efforts. Hein? Je te demande trop d'efforts. Avant, je pilais dans la mamie. Avant d'avoir le tout monté ici. Ne poste pas le bol du tarot au quel bol ça ah ouais bon allez on monte on quitte au sol maître voilà c'est bon ici ouais. Ne pose pas le bol de ta rose. Ouais, il a raison. Pourquoi ça fait quoi? Ben, comme c'est tout ça. Peut-être qu'il a peur comme c'est chaud. Que le bas de la sèche ne soit pas. Allez. Voilà. On va retirer. Courage au spectacle de la Julien Zombie. C'est l'occasion de mon anniversaire. Ah oui, Tobi, c'est quand la retouse, hein? Tu vas nous faire fort. Tu vas faire ça fort. Tu vas faire fort. Hein, mon Tobi? Voilà. Maintenant, je mets dans la serre pour me servir. Personne ne va entrer dedans. Parce que moi, je fais le tout souvent sans calculer. Tobi, tu connais la sauce jaune, non? Toi, tu es au Cameroun là-bas, tu connais bien. Ne viens pas à toi. Hein. Ouais, bien ce que je suis en train de faire, non? Voilà. Oui, tu as raison. En plus, ma mamie était chaude. Ça peut m'abîmer le truc au sol. Tu as raison, Bertrand. Moi, je n'ai pas pensé. Comme j'étais en train de me servir dedans. Voilà, et moi je fais quelque chose, je passe ici là. Mais il faut les muscles, hein. Si tu n'as pas les muscles pour cuisiner ce truc, mais attends. Hein. Ça fait monsieur. Il a dit que, vous voyez, mais tu vois, la chaleur aussi, elle est bon. Ça. Ah, c'est la sèche qu'on va servir avec pour la technique. Le tarot, la tibia. Oui. Hey, ça tire, hein, mon Tobi. La magie. C'est pas le tarot, hein. Je n'ai pas mis autre chose. Quand ton mari va mettre dans le toit, il va mettre la sauce au milieu. Voilà comment il fait. Sa mère lui a bien écrit. Ouais, ah, je vous aime. Hein. Vous qui me regardez là, vous savez comment vous me donnez de l'inspiration. Grâce à vous, je me suis beaucoup améliorée. Parce qu'avant, je faisais le tarot, j'avais un peu les grumeaux et tout. Maintenant, comme j'ai peur de vos yeux là,
Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Franchement. Attention. Voilà. Oh. Moi aussi. Voilà. Je vous adore, mes followers. Grâce à vous, la Tavero s'est améliorée. Voilà, donc, les obstacles, c'est le tarot lui-même. Et les... non, les obstacles, c'est la viande. Comment il s'appelle? Bertrand, les obstacles, c'est ce qu'il y a dans la sauce jaune. Le tarot, ce n'est pas un obstacle. Voilà, donc, ça va d'abord rester là. Je vais vous montrer. Je n'ai pas un peu d'abord le bord de magazine, hein, parce que j'aime pas trop. Là, c'est ça. Voilà. Maintenant, je vous montre pour finir. Capture d'écran, hein. Ne ratez pas. Il y a 27 personnes. Moi, je vois que 18. Et tes jeux. Voilà, je vais vous mettre la lumière. Regardez, le tarot qui est bien pilé avec la sauce jaune. Voilà, je vais remettre un peu la sauce jaune pour vous montrer. Elle est bien jaune, hein, vous voyez. Wow, il y a de tout dedans. Il y a de la viande de bœuf, il y a le tripes, il y a le corbapote. Voilà. Les connaisseurs, oh, les connaisseurs. Vous voyez ça? Voilà. Maintenant, si vous voulez, je vous garde pour papoter. Et s'il y en a qui veulent aller dans le direct de Kongosa, je vais finir avec vous. Donc voilà, c'est la fin de mon tarot. J'étais très ravie que vous soyez avec moi. Si quelqu'un a des questions à me poser à propos du livre de prière dont je vous parle tout le temps, moi je suis là. Je vous livre un peu de mes secrets. Je vais couvrir ça de quoi? Je crois que ça va, ça peut courir. Oui, c'est bon. Laisse sur la table alors. Pas sur le temps. Ah, en moyenne. Ma salle n'est pas encore là. Bon, pas tout, hein. La sauce, je vais laisser la sauce à 1. Comme ça, il le trouve. Non, non, pas encore. Donc, excusez-moi, j'ai transpiré un petit peu. Ok. Si vous savez comment je vous aime, je transpire pour vous. Regardez. Voilà. Hey, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Je vois les cœurs qui défilent. Ça veut dire que je fais ce qui est bien pour vous. Il y a quelqu'un qui veut entrer. C'est qui? Ma Fongonfi. Ah. Oh là là. Ça veut dire que je fais ce qui est bien pour vous. Ma Fongonfi qui veut monter. Non. Elle n'est pas montée. Ça prend du temps. Non, merci beaucoup. Bertrand, merci pour le partage. Toby, partage. Hein? Ne laisse pas ta mère comme ça. Partage. À la masse remontée. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, Marco. Je vais dire, Marco. La est belle. La cuisinière internationale. Ah ouais, on peut le dire, hein. On peut le dire. Je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais. Je partage tout le temps tes directs, c'est bien. Il faut apprendre à notre jeune sœur de comment on cuisine et les mets traditionnels comme ça. Et en plus, le tarot, j'aime le tarot vraiment. J'aime le tarot. C'est bon. C'est le tarot. Tu prépares très bien. Il faut ouvrir un restaurant. Hein. Nous, on vient manger. Yeah. Vous allez quitter l'eau là-bas. Quand l'adresse elle est bonne, non, pas même. Quand je quitte ici, je pars à Douala manger le tarot, manger le truc. Douala, c'est plus. Regarde. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Hey, pardon.
Je sens qu'elle va venir chez toi bientôt, elle te promet. N'est-ce pas? Elle va venir passer un week-end là-bas. C'est à Dijon, non? Non, je suis à Avignon. Avignon, ah oui, Avignon. Avignon, c'est l'est de la France, je crois. C'est l'est. Toi, tu es à l'est, moi, je suis à l'ouest. Ah, c'est le sud. Je suis pas loin de Marseille. Ah, Avignon, c'est le sud. Oui, c'est à côté de Marseille. Ah, c'est Dijon qui est à l'est. Voilà. Moi, je suis au sud, dans le sud. C'est Avignon. D'accord. Bah, je viendrai et je vais passer mes commandes avant de venir. Je vais passer même un week-end là-bas. Je vais venir, par exemple, on peut venir là-bas en voiture. Oui, tu peux prendre la voiture. Ou en train, ça dépend. Non, je pense que je viendrai en train parce que comme j'aime bien picoler là, si je viens en voiture, quand elle a bu mon champagne, qui va me ramener? Pardon, c'est mieux, je viens en train. C'est 2 heures de Paris en TGV. Hein? C'est 2 heures de Paris en TGV. Deux trains? Deux heures. Mais en partant de La Rochelle, par exemple, c'est combien d'heures? Ou en partant de Bordeaux? Je ne sais pas trop. Hein. Pour l'autre là, je ne sais pas trop. Je vais me renseigner. Je vais t'appeler inbox. Il faut mettre ton WhatsApp. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Il n'y a pas de souci. Je vais venir là-bas un week-end. On a dit, je vais venir vendredi, samedi, je rentre dimanche, ma soeur. Il y a mon numéro sur ma page. Il faut me renvoyer ça à inbox. Comme ça, j'organise avec toi. Comme je suis en France actuellement, là, je viens seulement. Je passe mes commandes, tu prépares comme ça, je mange, je bois le vin. Après, peut-être on fait un tour en bois de nuit ou dans une soirée. Et après, je rentre 2 jours, vendredi et samedi soir, je rentre dimanche. D'accord, il n'y a pas de souci. Histoire de me changer d'avis. Mais le jour où je viens, tu me fais le tarot comme ça, le musunga, les trucs comme ça. On va d'abord bien parler. Comme ça, je fais mes commandes avant de venir. Je vais manger pendant 2 jours. Et tu me mets un hôtel 5 étoiles. Quand je finis de manger comme ça, je rentre dans mon hôtel. Le lendemain, je reviens à la maison, je fais mon joker. Il n'y a pas de souci, Manu. Il y a de tout ici là. D'accord. En tout cas, courage, que Dieu te bénisse. Tu prépares très bien et tout. Merci, je partage tout. Tu as quand même beaucoup du monde qui commande. Tu as quand même des gens qui aiment bien, qui commandent. Oui, oui. J'ai des amis ici. Ouais. Je fais comme ça. Dès qu'ils vont continuer. Ma page WhatsApp, il prend une assiette, 2 assiettes. Oh, c'est bien. Au moins, ça marche. Ça t'encourage de continuer à faire, en fait. C'est bien. Si tu as tes amis, si tu as tes amis qui commandent, c'est l'essentiel. Au moins, ton truc marche. Tu vois un peu, non? C'est mieux que quand tu fais comme ça, en même temps, ça sort. Tu prépares comme ça, en même temps, les gens commandent tout de suite. C'est important. C'est un peu ça. Je vais venir passer un week-end avant ma soeur. Je t'ai promis ça depuis. Dès que j'ai un peu de temps, je vais te dire à inbox. Il n'y a pas de souci, Marie. Tu es très gentille. Tu es très gentille. Je te laisse faire ton direct. Bisous. I love you, mamie. Bisous. À bientôt, ma. Je te laisse de ça, mon son. Lorette, tu pas gentil avec des manoirs. Tu dis que la livraison se fera à la gare. Lorraine, le tarot, je sais qu'elle veut te charmer. Tu vas seulement m'amener. Tu m'as dit que tu vas m'amener au Bénin. Hein. Tu vas m'amener mon nom au Bénin. Tu vas seulement aller le tout aussi. Lorraine, est-ce que tu as même vu la présentation de ça? Attends que te charme un peu. Comme ça, tu vas vraiment au Bénin avec moi. Là. Regarde notre tarot qui est déjà prêt, là, regarde. Avec ça, je vais le piler, ça devant tout le monde. Lorette, elle va se m'amener là-bas. Elle a dit qu'elle va donner mon nom au bébé. Le jour que j'ai fait le poisson, elle a dit qu'elle est bébé. Ouais, Lorette, toi-même. Ok. Véronique, comment tu as fait le bébé ce soir? Il n'y a pas de souci, là, même pas. La
Tu peux pas me la forme ici. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Parce qu'elle ne peut pas entrer dans ma mamie qui suis là. Là, j'ai l'habitude de cuisiner les jambes, je la mets avec n'entre pas. Ouais, les oreilles. Si tu étais à côté, mais ça, tu venais manger. La nourriture du férié. Ah, c'est férié ici là. Moi, je cuisine, ma famille mange. C'est comme ça. Excusez-moi, elle a mes utensils. En même temps, ça est vous. Ne pleure pas, ma chérie. C'est que si je rentre du Cameroun, je vais t'inviter. Alors moi, je viens en Allemagne. J'amène tout l'arsenal. Je fais le tarot là-bas sur place. Pour apprécier. C'est-à-dire que toi, tu travailles beaucoup. Je vais là sur place. Tu veux ta part, d'accord? Maman. Leur part. Oui, ma chérie. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je vais faire manger. Mais je ne sais pas trop si tu vas aimer ça. Hein? C'est quoi? C'est le tarot, maman. Mange la rose. Oui, maman. Je vais te mettre de l'eau. Poulet. J'ai le reste du poulet DG que j'ai fait l'autre jour. Est-ce qu'il y en a une seule? Le poulet? Oui. Mais oui, il y a le poulet pour toi. Pourquoi? Ben oui, il y a pour toi. Attends. Ah, il n'y a pas pour les autres. Je vais te faire le poulet, t'inquiète. Il n'y a pas pour les autres? Les autres, tu demandes s'il n'y aura que pour toi. Non, il y a pour les autres, mais les autres vont manger le pain. Ah, ok. C'est parce que toi, tu n'arrives pas. Mais quand elle est partie, le chéri de Loretta et le général Olomania. Bon, bon. Loretta, elle dérange. Maman. Oui. Donc, je suis la seule à manger le poulet. Oui, tu serais la seule à manger le poulet. Ça ne te plaît pas. Hein. Tu es la princesse. Là. Tu es la princesse des poulets. Hé, maman. Il n'y a pas de souci, Laurette. Comme ça, je viens avec l'arsenal, moi. Je prends les condiments, tout. Tu achètes seulement la viande. Je ne sais pas si tu trouves le tarot là-bas. Tu achètes tout ici, là. Je viens là-bas, et tout ça. Là, tu vas goûter le tarot de mes fringues. Non, mais on n'a pas le pilon. On ne peut pas le dans la mamie. On n'a pas le pilon, moi, je peux le dans la bouche. D'accord, elle est venue ici, là, je prie le tarot dans mon ex. Je tourne la soie journal dans mon ex. Elle s'est tournée sale. Maman, si vous avez vu le cahier, la prison, c'est encore. C'est sale. Sans tout que vous voulez. Même mon abysse. Je ne vais pas échapper. Voilà. Même mon abysse, je ne vais pas échapper à ça. Je vais voir. Intérieur, là. Ah, c'est mieux. Ici, dans le tarot, nous recevons ça. Ah, voilà. Voilà, tu vois, donc, tu as la chance là-bas. Je viendrai seulement avec les condiments. Je viendrai seulement avec les condiments, parce que les condiments, c'est là. Et moi, je ne connais pas la composition. On compose et on me l'envoie. On veut prendre un peu de potasse, le sel gelé que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, la mamie s'est retrempée, ça. Il faut que j'aille remettre son pilon avant qu'on mange. Elle a besoin. Je sais pas mal qu'elle ne sait pas quoi la bonne. Oh, coco. Voilà. Si, on a le tarot. Ah oui, voilà. Ici, c'est le tarot. C'est la nourriture des chambres, des bouddhas, des bananas, des bavantes, tout. Le tarot qui gagne. Non, je voulais demander, c'est le tarot. Non, ok. Ah bon? Ah non, c'est le tarot. Je ne connais pas ça. Donc, tu l'avais quand même mangé avant. Je ne mangeais même pas.
Et là, tu me laisses là, tu lèches le doigt. Après, tu peux déjà commencer à goûter au Cameroun. Ah, donc au Cameroun, tu connaissais quand même. Oui, mais je peux goûter un peu. C'est ici en France que tu as commencé. Hein. Non. Cameroun, je goûte un peu, un peu. Tu cherches quoi, c'est d'accord. Je vais chercher l'histoire. Je vais me laisser passer le mentir. Je vais me laisser passer le mentir. Je vais me laisser. Mets ça dans la petite boîte qui est là, en bas. Ouvre. Il y a la petite boîte du public qui est là. La petite. Mais pour avoir les autres, tu m'as accepté. Bah, ça m'a dit que j'ai pas le temps. Bonjour. Papa est là. Oui. Il est là? Oui. Et qui? Ma soeur est là. Bonjour. J'ai déjà presque fini. Je tremble la mamie, je ne peux pas laver ça maintenant parce que c'est trop. Maman, est-ce que je peux prendre une glace? Non, on va la manger. On mange et après je prends la glace. Laurette, ta copine, c'est le signe de la glace à la place du repas. Après, je prends la pension. Bon, mon chéri est arrivé. Je vous quitte là, je vois que vous êtes connecté 18, peut-être vous vous voyez un peu plus. Je vous adore sans exception. On a cuisiné le tarot. La prochaine fois, je viens avec une autre recette pour, voilà, pour plus vous mystifier. Gros bisous à tous sans exception. Merci, à bientôt. Merci. Antoine, tu ne voudras pas. Fais 10 bisous à tous. 10 bisous à tous. Non, bisous à tous. Bisous à tous. Voilà, Célestine vous bisoute. Laurette, ta copine te bisoute. Mm-hmm. Tiens, ne fais pas le bisou ici. Hein. Je ne vais pas dormir dans la maison ce jour. Allez, bisous, bisous.